Bon alors, Bayern, c'est vrai, d'accord. Manchester, ok. Bon, Pierrot, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche le match d'Oderlotterbach, je trouve pas. Ah, bah, c'est de la passion. Ah, merde, oui. Ah, bah, voilà. D'Alsace. Ah, ouais. Voilà. Ça, c'est important. Ober-Odern, Ober-Lotterbach. Voilà. Ober-Lotterbach, une DRH forcément qui va gagner. Ober-Odern. Non, Ober-Odern. Ober-Odern, je te l'ai dit. C'est une promotion. Bah, le petit poussé va gagner. C'est une DRH. Qu'est-ce que t'en penses, Pierrot? Ah, j'en sais rien, moi, j'y connais rien. J'y connais rien au foot, ça se saurait. Bon, écoute, c'est vrai que ça se serait. Voilà. On y va, on va à l'entraînement ce soir et je te promets que c'est Ober-Lotterbach qui va gagner. Dimanche, mec, dimanche. Bon, Pierrot, à bientôt. Au revoir, messieurs. Bon, bah, dimanche alors. Hein. Dimanche. Voilà, jeudi soir, arrivé à Ober-Odern. Ça y est, on va voir la dernière séance d'entraînement avant le match dimanche. Je vais voir comment on s'entraîne mes petits protégés. Le petit poussé va-t-il gagner dimanche? Et bah, ce soir, on est parti. On risque pas grand-chose. Hein, puisque de toute façon, je pense que tout le monde s'attend à ce qu'on perde. Donc finalement, on joue sans pression. Il faut qu'on montre qu'effectivement, face à une grande équipe, on est là quand même. Salut, on est Ober-Lotterbach. Jeudi soir, il fait 5 degrés, il pleut, on est là pour l'entraînement de ce club de DH qui rencontre Ober-Odern ce dimanche en Coupe d'Alsace. Et je suis là pour les booster parce que bah, on va gagner. Allez, c'est parti pour l'entraînement. C'est quoi, t'as orange ou bleu? C'est quoi, coach? Tout le terrain. Non, c'est 15. Pareil, hein. Hey, ça manque de volume, hein. Les armes. Ouais, les armes. Est-ce que c'est physiquement que vous allez pouvoir les bouger ou pas? C'est la solidarité, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, il y a vraiment une ambiance de potes ici. Combativité, ouais. Ouais. C'est les atouts qu'on peut mettre en avant. D'accord, ok. Clairement, c'est qu'on va se battre jusqu'à... Jusqu'à la 94e, mec. C'est bientôt fini, là, non, je pense? Ah ouais. Ouais, combien de temps encore? Hein? Ah, c'est l'échauffement, ça. Ah, ouais. Ah merde. Ouais. Ouais, on peut pas être frais, mais enfin, ça veut dire que c'est trop facile contre Ober-Odern, c'est ça? Non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que si on n'est pas... Si c'est cette séance qui fait qu'on n'est pas capable de battre une équipe qui est... Inférieure? Qui est à 3 divisions au-dessus de nous, si on se peut penser à 3 divisions au-dessus de nous, c'est qu'on aura été mauvais, quoi que ce ne sera pas à cause de ce soir. Et gauche. Ouais. Tu débordes, tu centres. Voilà, exact. Nickel. Et tu réceptionnes quand ça vient de l'autre côté. Tu vas déborder dimanche? Merci. Ça, t'as un quart à déborder, mec. Bon ben, rendez-vous dimanche. Moi, je pense que mon équipe est prête. Je pense qu'on va pouvoir faire un bon match. Deux, trois bobos, mais c'est pas grave. Et je compte sur eux. Hein. À dimanche. On y est. Bonne chance, mon ami. Bonne chance. Enfin, mon ami. Bon match. On a en gros 2% de chance de passer. Mais, replacement rapide, plus 2%. De l'impact physique, plus 3%. Si on additionne effectivement toutes ces choses-là que je vous répète depuis le début de la saison, on arrivera facilement à 20-25%. Et du coup, effectivement, c'est plus jouable. Le porteur, peu importe où sur le terrain, il y a toujours quelqu'un qui monte dessus. Il faut pas qu'on les laisse respirer. Il faut pas qu'on leur laisse 2-3 secondes pour prendre des infos, faire un choix, ajuster une passe. Non. Tout de suite, on monte dessus, tout de suite. Ensemble on est ! Plus fort ! On est ! Plus fort ! On est ! Plus fort ! Allez, carré ! Allez, carré ! Allez ! Derrière, ils sont pas. Devant, ça va, ils jouent. Mais derrière, ils sont pas royaux. Hein. On t'aime, ton premier but. Là, faut essayer, c'est pareil. J'ai fermé les yeux, j'ai tiré. Hein. Appuie pour garder, c'est difficile. Plus on avance à 2-2, plus eux, ils vont y croire. Hein. Donc, faudrait le faire au plus vite. Après, si on marque à 2 minutes de la fin et qu'on gagne 3-2, bah, ce sera 3-2, hein, c'est comme ça. C'est un calife qui compte, finalement. Hein.
Regarde si je sais s'empire, side de PSG. La 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 Une DH qui gagne, Aubert-le-Torbar face à... Face à Aubert-Auderne, voilà, je les avais soutenus, le petit pousset, bon, 4-2. Beau match. Ouais, très beau match, 2-2 à la mi-temps, c'était, voilà, c'était très bon match, et en plus, de très belles rencontres. Superbe rencontre, de belles personnes qu'on a rencontrées ici à Aubert-le-Torbar et Aubert-Auderne. Voilà, et ben, en tout cas, hâte d'être au prochain Double Contact, Charlie. À bientôt les amis. À très vite.